Comment améliorer le rappel de son chef? Mon chien revient, mais quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire, il revient, mais pas du premier coup. En général, il y a un autre chien, il y a quelqu'un, il va les voir, et puis après, il revient. Une bonne chose déjà, c'est qu'il finit par revenir. Le problème, c'est que c'est pas son premier choix. Son premier choix est d'aller faire ce qu'il a envie de faire, et après, vous récupérez son attention. Le danger, c'est si ce chien qu'il a envie de voir est réactif, et là, vous avez besoin de le récupérer du premier coup, ou si les personnes qui sont en face n'ont pas forcément envie d'avoir un chien qui leur arrive dessus. Et là, vous devez, par respect, par civilité, par rapport aux gens, obtenir que votre chien fasse demi-tour sans aller directement courir sur quelqu'un. Récemment, on a fait un tournage vidéo avec les animaux de la 8. D'ailleurs, si vous avez raté cette émission, vous pouvez le regarder en replay. Je vous mets le lien dans la description, en commentaire. C'est l'émission du 7 mars, les animaux ont la belle vie en Normandie. Dans cette vidéo, je rappelle en fait que la loi permet dans certains contextes de lâcher son chien à condition d'avoir une bonne obéissance, un bon contrôle sur lui. C'est-à-dire que si en fait vous n'avez pas l'obéissance de votre chien, un bon rappel de votre chien, eh ben vous êtes à défaut s'il se passe quelque chose. Si vous permettez de lâcher votre chien, eh ben il ne faut pas imposer aux autres qui ont peut-être leur chien en laisse que votre chien aille jusque-là. On le tient en laisse tout Pourquoi simplement. Pourquoi? C'est pour la sécurité, c'est pour qu'il nous écoute, c'est pour qu'il soit à côté de nous en fait. Bah oui, parce que le chien en fait, il est uniquement guidé par ses instincts, l'instinct de prédation, l'instinct de meute, protection, fuite. Mm-hmm. Et l'éducation va permettre justement de lui donner plus de liberté tout en étant en sécurité. D'accord. Promener son chien sans laisse, c'est indispensable pour son bien-être comportemental parce que les besoins du chien, c'est en premier l'exercice physique. Donc, courir. Donc comment améliorer le rappel de son chien et faire en sorte qu'il revienne du premier coup. Dans la vidéo de tournage sur les animaux de la 8, j'ai parlé de l'utilisation de la longe et j'avais envie de revenir dans une vidéo où on peut approfondir un peu plus ce sujet-là. Alors, à quoi va nous servir la longe? Souvent, on va trop vite. On détache son chien puisqu'il a à peu près du rappel alors qu'il y a peu d'excitation et on se tente à croiser d'autres chiens, à croiser des gens. On fait un rappel, ça marche pas trop, il va jusqu'aux gens, jusqu'aux chiens. Et en fait, là, on est en train, plutôt que d'apprendre l'obéissance, on est en train d'apprendre à notre chien qu'il peut désobéir à l'ordre que vous avez donné ou que la priorité n'est pas l'ordre de rappel que vous avez donné. Puisque vous dites « Oups, au pied, mais dehors au pied, peu importe », vous rappelez votre chien, il obtient une récompense en allant au bout de son comportement, puisqu'il rentre en contact avec l'autre chien. Peut-être qu'il va jouer. Toujours est-il qu'il va au bout de son intention, ou en fait même va voir quelqu'un qui lui va caresser, alors que vous êtes en train de rappeler, et cette personne-là va avoir récompensé la désobéissance de votre chien. Même si la personne ne caresse pas votre chien, en allant sentir cette personne-là, il est en quelque sorte récompensé pour son comportement, puisque c'est ce qu'il voulait obtenir. Et l'obéissance vient au second plan, puisque quand il va finir par revenir vers vous. Alors, la longe va permettre d'empêcher cette désobéissance et de conditionner une obéissance. Comment on procède? Dès qu'il y a une situation qui peut amener à une désobéissance, je vais reprendre la longe en main et je vais empêcher mon chien d'aller au bout de son action. Il va essayer d'aller vers cette personne ou essayer d'aller vers ce chien. Là, je vais donner le mot « laisse » en donnant une petite impulsion sur la longe. Et si je récupère l'attention de mon chien, s'il me regarde à ce moment-là, je vais récompenser. Qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Dès que je vais croiser quelqu'un, que mon chien commence à regarder cette personne ou regarder ce chien et que je dis « laisse », mon chien va avoir associé que s'il se reconcentre sur moi, il va être récompensé. Et en faisant ça, vous commencez à faire prendre l'habitude à votre chien que dès qu'on croise quelqu'un,
Si je me reconcentre sur mon humain, sur mon maître, eh ben, je suis validé, c'est positif pour moi. La récompense ne vient plus sur une désobéissance, mais sur le fait d'avoir choisi de se désintéresser de ce chien, de cette personne. Alors, évidemment, ça ne doit pas être la règle. C'est-à-dire que, par moment, s'il y a un autre chien qui est social, il faut permettre à votre chien d'aller jouer avec lui. Mais ça, ça ne doit pas être la règle non plus. Sinon, on a un chien qui est ingérable dès qu'on croise un autre chien, s'il ne peut pas aller le voir. Refait demi-tour. Refait demi-tour. Fais un rappel avec les trois. Donc essayez de bien travailler ça et puis d'aller étape par étape, de prendre le temps avant de donner la liberté complète à votre chien, et cela va vraiment améliorer vos balades. Voilà les conseils que je voulais vous apporter aujourd'hui sur la façon d'améliorer le rappel et la bonne utilisation de la longe. Si vous avez besoin de plus d'aide sur ce point, n'hésitez pas à faire appel à l'un de nos éducateurs canins comportementalistes sur notre site www.respedogs.fr. Et si ce n'est pas encore fait, téléchargez le e-book « Comment rendre mon chien plus obéissant et bien dans ses pattes ». À bientôt pour une nouvelle vidéo.